Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci sur la démo de Resident Evil 7, mon dieu. Alors, il n'y a pas de caméra, je chuchote parce que je sais pas. Je sais pas pourquoi je chuchote, moi. C'est parce que je me suis mis dans le noir pour mettre dans l'ambiance, quoi. Du coup, bah, la caméra n'est pas là. Vous aurez juste ma voix. Et. Oh putain, c'est franchement, c'est terrifiant. Les bruits, l'ambiance sonore. Oh. Et je joue avec une GTX 660 et ça a l'air 60 fps, c'est plutôt beau. Je crois que mes graphismes sont en intermédiaire pour ceux qui demanderaient la config, quoi. Je connais la démo, je l'ai vue, mais jouer avec un casque, ça n'a rien à voir. Je voilà. Le jeu est beau, franchement, le jeu est beau. Je flippe alors que je connais la démo. Ah non mais le RE7 il... Il va être terrible le jeu. What? Il est super fluide alors que j'ai une GTX 660. Je suis choqué. En fait, quand on regarde des vidéos ou qu'on voit quelqu'un jouer, ça a l'air super sombre alors qu'on voit quand même assez bien. L'ambiance sonore externe, les graphismes du jeu, mais waouh, 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 waouh. Le jeu il a l'air terrifiant, quoi. Ça, je m'y attendais. J'ai mis le jeu en VF, ce qui paraissait une catastrophe, mais bon, je voulais voir. Putain. What? Je vais pas jouer avec un casque, je vous jure, je vais pas jouer avec un casque. Je me chie dessus, quoi. Alors, je sais qu'il va rien arriver. Hein, mais... What? C'est quoi? Oh putain, j'ai lâché la molette et tout. Ce qu'on est en train de voir là, le jeu ne sera pas ne fera pas autant flipper, quoi. Je pense, j'ai vraiment peur que c'est pas le jeu final, quoi, que le jeu final sera moins flippant, quoi. Sur un jeu, je vous jure que c'est vrai. Ah non, mais et la VR, c'est impossible, hein, je suis désolé. Je me chie dessus littéralement, quoi. Enfin, pas non, pas littéralement. Mais... Là, on va pas mettre qu'un cassette, moi. Cherche le fusible. J'ai peur que les salauds de Capcom ont peut-être changé la démo et du coup je vais être surpris, quoi. Et je vais aussi baisser le son, je pense, parce que le sursaut ça va 5 minutes, quoi.
C'est vrai que ton gars il s'est défait. Ils sont vraiment trop lentement, je trouve. Est-ce qu'il y a des démolitures rapides? Il n'y a pas les démolitures rapides! Quel gars c'est venu dans RE2 ça? Petit bémol sur ce coup là du coup. Le jeu il est beau et il est super fluide quoi, je le comprends pas. Enfin, je trouve qu'il est beau. Bonjour madame. Plus le son en fait il je sais pas si ça le fait pour les autres jeux où j'ai pas fait attention, mais en fait là quand je me tournais, genre si je regardais par là, j'avais que le son qui venait de l'oreille droite, du coup c'est encore plus immersif. J'aurais pas dû éteindre la lumière par contre parce que je voilà. Je m'endors bien si. Nous observe depuis cet hélico. C'est à côté de cette mégo, un adulte en droit de leur mort. Pardon. Je ferai toi. J'ai qu'il y a des balles ici, non? Ou pas? Ah, mais je les ai trouvés. What? C'était quoi ce bruit? Oula, j'ai de belles chaussures là. Oula. Putain, l'ombre. Mais mec. Je vais regarder la cassette, mais ça sert à rien. Parce que. Voilà. Le jeu tourne sur mon PC tout bien, je suis trop content. Je sais qui le tient faire boue, enculé. Boue. PD. Où t'as trouvé ce type? Lâche-moi un peu, Pete. Hé, je bosse qu'avec des professionnels. D'ailleurs, arrange-toi pour que le son soit correct cette fois-ci. Je veux pas un remake d'Amarillo. Mec, c'était il y a 2 ans. Je me tape pas le doublage. Franchement, la VF, ça a l'air d'aller, hein. Ouais. Le nouveau, là, je le sens pas. Encore? Alors sois pas étonné si on doit le virer. Je vous entends, hein, oh, enculé. Nouveau plan. D'abord, on fait un tour à l'intérieur, et ensuite, on tourne l'intro. Comme d'habitude, quoi. Et n'oublie pas de dire le nom de l'émission, cette fois, hein. Mais c'est une voix connue, le T'inquiète. Lui, là, le deuxième. Ce soir, dans Sewer Gators, un autre trou paumé sans intérêt. Ça te va? Fantastique. Hé,
Est-ce qu'on tourne? Ok, on y va. Je suis beau, putain. Laisse-moi faire. Ok. Après toi. Alors, c'est quoi l'histoire aujourd'hui? Tu te prépares jamais. Préparer quoi? Une baraque pourrie, des bruits étranges? Oh, elle est hantée? Quelle merde! J'étais présentateur, moi! Remplaçant le week-end, Pete. Seulement remplaçant. Qu'est-ce que t'as dit? Rien. C'est quoi l'histoire, André? Une ferme abandonnée, une famille disparue dans des circonstances suspectes. La routine. Mais voici qui, putain, ça me stresse. Je connais. Tu dis que ça fait combien de temps que la maison est abandonnée? 3 ans. Hé, hey Clancy, filme un peu ça. Ça peut faire un bon plan de coupe. Donc, une famille de pecnos disparaît et... Pas des pecnos, les Baker. Jack et Marguerite Baker. Une famille normale, plutôt paisible. Il y a pas mal de rumeurs sur leur fils, Lucas. Lui a mal tourné, apparemment. Merde! Je savais que j'aurais pas dû mettre mes chaussures neuves. Oh putain. Heureusement que j'ai fait mes vaccins. Mais bon, ça pourra nous faire un super décor. André, qu'est-ce que t'en dis? André? André? André! Bensi, tu sais où est passé André? Il est où? Putain, j'y crois pas! C'est la dernière fois que je bosse avec ce mec! Tu sais, les producteurs, ça va, ça vient, mais... Un bon caméraman comme toi, Clancy, reste près de moi. Mais là, tu voulais me virer, enculé, vas-y, crève. Alors là, je vois rien au fond. J'ai tout fluide, je suis trop content, je suis désolé de le dire 15 fois, mais je... c'est trop bien. J'ai les boules et... Ouais. C'était quoi ce truc? T'as entendu? Il est super bien optimisé sur le... pour le coup. J'espère que le jeu final sera pareil. André? Il est où, putain? André, t'es passé où? Il faut moins flipper dans la vidéo de VHS. Hein. C'est quoi ce bordel? C'est peut-être posté avec un con. Mais... C'est pas possible, je rêve. Ok, changement de programme. On trouve André et on se tire. Tant pis pour l'émission. Oh putain, cul en premier écran. Un cul de connard. Oui, bonjour, monsieur. Passe devant. Je veux un plan de moi en train de descendre l'échelle. Ouais, ouais. C'est donc. Connard. Passe devant. C'est vrai que ça fait très ancien et heureux quand tu descends l'échelle et tout, tu vois que les mains. Tu vois quelque chose? Y'a quoi en bas? Ah viens enculé. J'aime pas être seul. Pas jouer un cop le jeu.
sommet. Putain. On peut se protéger. What the fuck, c'est des camés ou quoi? Les gens portés disparus. Ah, des parapluies. Ah, ils ont pour au moins pu mettre la couleur d'Umbrella. Oh, le rideau qui bouge au fond, les mecs, mais c'est trop bien fait. L'ambiance sonore à l'église, les gens. Ah putain. Oh, les feuilles qui bougent et tout. Oh, mais les le graphisme là. Jamais vu ça, franchement. Ah, ça ressemble beaucoup à Pity, sauf que mieux, quoi, parce que Pity avait un couloir. Quoi. En bas, je suis pas trop chaud. Oh, c'est creepy, les amis. Alors là, quand t'entends ça derrière une porte, t'as pas envie de l'ouvrir. Hein. Il se retourne trop lentement, par contre, il n'y a pas demi-tour rapide. Franchement. Je suis bluffé des graphismes en fait, c'est juste ouf. Calme. Après de près je sais pas les textures, mais après moi je joue pas au fond non plus, je crois que c'est un intermédiaire les graphismes, mais bon, rien que ça quoi, c'est juste waouh 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 waouh. Oh. C'est moi qui fais ça, putain. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à chaque fois au coin de l'œil, tu vois, tu regardes un truc et t'as l'impression que tu vois quelque chose, mais en fait non.
très robot quoi ces trucs là. Je sais que si je vais là-bas. Mais ils bougent ou quoi ces cadavres de merde là? Ah, je flippe. Bon allez, faut y aller. Un petit cri de fillette, je crois. J'ai fait c'était juste magnifique. Juste à l'animation. Quand il prend le flingue, franchement, je trouve ça ouf. Parce que il voit vraiment, je cherche le flingue, tu vois, ça m'a le prendre. La plupart des jeux, tu vois, ça m'a qui s'avance et ensuite le flingue se téléporte de la main. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais. Oh là là, c'est. Niveau graphisme, ils ont fait le taf. Franchement, si le jeu est comme ça. Chapeau. Il est où? Oh putain. Il est où? Il va me tomber dessus, c'est ça. Bonjour. Un sniper. Lâche-moi. Cours. Le stress. Ah, vous prenez moi quoi, j'étais stressé là. Bah, je sais pas viser, hein. On le sait maintenant. Tu n'es rien, gamin. Juste un homme sans famille.
Resident Evil 6. 7, pas 6, 7. 7. Biohazard, 24 janvier 2017, acheté dès maintenant, 26 janvier. Ah, il est plus tard au Japon. Ah ah ah. Pourtant, mon CD. Je fais déjà partie, les amis, je fais déjà partie. Alors que pour cette démo bluffée, très bien optimisée, l'ambiance est ouf. Après, est-ce que ça fait. Bah, franchement, on n'a pas l'impression que ça rentre à ville, quoi. Ça, faut avouer, mais. Par contre, ça va être. Si le jeu final il est comme ça, je vais me chier dessus, quoi. Parce que là, il était. Je connaissais la démo, je l'ai fait plusieurs fois. C'est assez ouf, l'ambiance. À voir dans le jeu. Ouais, c'est vrai que là, ça fait pas du tout heureux. Hein. Mais après, avec les coffres, la salle de sauvegarde, l'indicateur de santé, comme les anciens RE au final, je pense qu'on se rendra déjà plus compte avec les clés et compagnie que c'est du RE. Quoi. Là, c'est vrai que j'ai un peu du mal à nous. Ben, là, dis-moi, elle fait pas RE. Quoi. Ça faut le dire clairement, c'est pas du RE. Mais niveau horreur, ambiance, je crois que j'ai jamais joué un jeu aussi flippant. Ça. Voilà. Bah, merci d'avoir regardé cette vidéo sur Resident Evil 6 Teaser Beginning. À la prochaine. Et du coup, vu que la démo s'est très bien passée, super fluide, je pense que je ferai un live one shot sur RE7 dès qu'il sortira. Dès que je pourrai, si je peux tout de suite jouer, hop, live de je sais pas combien, 10h, je vais dire 10h ou 16h, je sais plus. Bref, je ferai un one shot comme tous les RE, hein, si j'arrive et si je fais pas de crise cardiaque devant. Voilà, bref, allez, à plus, les amis, merci d'avoir regardé. Salut.